Je vais vous présenter donc un vin IGP, vin de pays de Vaucluse, Principauté d'Orange, 2014, domaine Alary. C'est pas un assemblage de Counoise et Grenache. On est sur un vin rouge, 2014. Là, on est dans la région donc méridionale. On est sur des terroirs principalement argilo-calcaires et principalement galets. Un rouge grenat assez soutenu, de belle brillance. Des reflets framboisés, brillants. Le nez est franc, net, évoquant le petit fruit rouge macéré. Le nez est net, principalement sur ces arômes de counoise, de rusticité, légèrement poivré, et puis de puissance due au grenache noir. Mais à travers cette maturité, il y a aussi un très bel équilibre sur la fraîcheur et sur la densité. La bouche est franche, délicate, agréable, légère pour un vin méridional. Je trouve qu'on a une bouche qui est très accessible et très facile à apprécier. Un vin qui est tendre et complexe à la fois, des tanins fins, peu marqués, une belle fraîcheur, un vin qui est tout sur la longueur et la gourmandise. Un vin que j'associerais facilement sur une bonne charcuterie ou sur par exemple des caillettes de la Drôme ou de Chaboy, là où on a le gras du cochon, entre guillemets, avec ses feuilles de blettes et d'épinards. Un plat qui peut être servi chaud ou froid. Un vin qui, lui, peut être servi à 14, 15 ou à 16, 17 selon la saison, et puis à boire dès le moment présent. Je crois qu'on a vraiment un joli vin de casse-croûte, sans être péjoratif ce terme casse-croûte, mais c'est souvent un des moments les plus sympathiques que l'existence nous présente.